Les amis, bonjour à tous, bonsoir à tous, suivant l'heure où vous regardez la vidéo, c'est Gaston Solex donc pour un nouveau petit enregistrement sur les traces de Robinson. Donc j'ai eu beaucoup de soucis ces derniers temps avec mon micro, donc je n'ai pas pu enregistrer. Là, comme par magie, il s'est mis à refonctionner. J'ai eu aussi surtout du manque de temps pour tourner. Donc là, j'ai un petit peu de temps, donc je me suis dit, allez hop, on va faire une petite vidéo. Entre mon serveur Minecraft, c'est un petit peu dur de gérer tout ça. Je vais vous parler un petit peu de plein de choses que j'ai à vous raconter. Pendant qu'on va creuser, un petit peu le chunk, peut-être, pas très longtemps parce que c'est assez ennuyeux. Alors si j'ai des petits lags, c'est normal parce que je travaille à double écran. Et ça crée un peu des lags, je sais pas pourquoi. C'est la carte graphique peut-être qui a du mal. Pourtant, normalement, il n'y a pas de souci, mais bon. Alors, on va creuser un peu le chunk pendant que je vous parle. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter? Oui, de nouvelles séries se préparent. Je vais attaquer je vais faire quelques Gaston bonus sur des petits jeux sympas. Je vais refaire des Gaston bonus sur Let's For Dead et Team Fortress. Je vais peut-être attaquer aussi sur World of Tank, Euro Truck Simulator 2, Trains aussi, un jeu de simulation de train. Oui, plein de jeux comme ça que j'ai et que je n'exploite absolument pas. Alors là, c'est la catastrophe. Voilà. On va contourner. On va essayer, voilà, de passer comme ça. Oui, et donc on va faire quelques séries sympas. Et je vais peut-être même faire des maps aventures, ce que je déteste faire. Avec un ami, je vous conseille de regarder sa chaîne. Je vais mettre son comment ça s'appelle son sa chaîne dans le comment ça s'appelle dans le descriptif de la vidéo. Je vais juste baisser un peu le son de mon micro parce que je vois là les niveaux sont très très forts. Voilà, donc là il y a un petit souci. Genre là je suis pas équilibré du tout. Voilà. Là, je pense que je suis équilibré. Faut pas que je sois trop fort. J'étais un peu fort là. J'ai baissé un peu mon master. Là, ça devrait aller mieux. Bon, ça, c'est les petits réglages que j'avais pas fait depuis longtemps. Je trouve qu'il y a beaucoup de charbon là. Depuis tout à l'heure, je vois en tournant du charbon. C'est pas mal. Bon, ce chunk qui avance petit à petit. Hein, j'avais pas beaucoup avancé dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pioche? Ah oui, c'est la pioche complètement cheatée. Ça, elle est bien celle-là. C'est du délire. Si on trouve du diamant, là, ça va être la fête. Hein. Bon, là, niveau charbon, on est pas mal, hein, je trouve. On va quand même peut-être reboucher par sécurité. J'ai des quantités astronomiques de sable. Ça vaudrait le coup que je me fasse une petite maison de vacances en sandstone, là, avec de la pierre et tout. Ça serait sympa. Il va falloir aussi qu'on finisse un peu cette aventure parce que il faudrait que j'aille battre un peu l'end. Comme vous n'êtes pas très présent, vous me donnez pas vraiment beaucoup de défis, donc c'est un petit peu c'est un peu faiblard. Bon, je suis pas un youtubeur très connu, c'est normal. Mais bon, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos, c'est juste ça mon plaisir. Qu'il y ait des viewers ou pas, j'avouerai que je m'en fiche un peu. Alors, on continue un petit peu là, que ça soit pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah oui, je voulais ra vous raconter une anecdote, mes débuts sur Minecraft. Donc c'était je ne sais plus, en fin 2010, début 2011. Je vous dirai exactement quand c'était, je ne sais plus du tout, j'ai oublié. Et je repensais à ça l'autre jour, quand j'ai débuté, c'était vraiment chaotique. Hein. C'est-à-dire que Minecraft a été vraiment mon premier jeu vidéo. C'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment jouer à l'ordinateur avec Minecraft. Avant, j'avais jamais joué. Alors attendez, par curiosité, je vais regarder. Putain, il y a beaucoup de FPS quand même. Normalement, frappe s'il bloque à 30. Bizarre ça. Pourquoi on est à 68 là? Il y a des choses, des fois on se demande. Pourtant, la frappe, il est à 29,97. Je suis en comment? Je suis en balancette pourtant. Ouais, je suis pas en. Je comprends. Bon, laissons tomber. Alors, est-ce qu'on utilise la synchronisation verticale?
Video sitting, ouais, pourtant, oui, c'est bon. Ouais, je comprends pas. Tout est correct. Bon, ça doit être normal. Bon, on va pas rester 2 heures ici parce que c'est assez ennuyeux. On va faire un peu de. On va se bastonner un peu. Attendez, j'ai vu. Bon, là, il y a un peu de charbon. Voilà. Pardonnez-moi de la petite ellipse. C'était un petit coup de téléphone qui venait me déranger. Donc, on continue. Donc, ça me fait chier de faire ça en vous parlant là. Donc, où en étais-je dans mon anecdote? Oui, quand j'ai commencé Minecraft, j'étais vraiment ce qu'on appelle un noobs. Un kikou. Je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, mais. C'était vraiment chaotique, c'est-à-dire que ma première maison c'était vraiment, même pas de la terre, c'était du sable. Je l'avais même pas fait en, je savais à peu près faire des planches, je savais pas qu'on pouvait faire des outils. Enfin voilà, c'était un petit peu, j'étais un peu largué quoi. Alors qu'est-ce qu'on va ramener? Voilà, un peu de tout, du sable. Voilà, on est au max, on est full là. Donc oui, on va tranquillement retourner à la maison. Ça serait bien que je trouve plus de fer et qu'on fasse un train. Un train à vapeur du chunk à la maison. Ça serait une bonne idée. Attendez, là il y a une petite araignée, on va se la faire. Alors ça c'est. Ah! Ça c'est l'épée! L'épée complètement cheatée là. Ah ouais. Ça c'est à mourir de rire. Bon, j'ai que des petites carottes à manger, c'est pas trop la joie. Malheureusement. C'est un peu la dèche hein, quand même. Hein. Il y a une poisonous potatoes. Une patate empoisonnée. Voilà. Alors, je vais vous faire. Bon, je rentre à la maison, je vais vous faire une petite ellipse. Allez, à tout de suite. Nous voilà de retour à la maison. Donc, attendez, je remets mon petit minuteur en route. Là, mon petit chronomètre. Dont notre petit plant notre, nos petites plantations se portent bien. Nos petits animaux, ils sont où, nos animaux? Il va falloir quand même qu'on s'occupe un peu d'eux là, hein, parce que ça va pas. Alors les petits cochons, on va pouvoir les faire reproduire. Attends, ils sont où ces petits cochons? Ah, ils sont là. Allez, c'est l'orgie, faites des bébés. Par contre, j'ai rien pour vous, les autres. Voilà, on a toujours notre machin. Là, j'ai dépensé tout mon fer pour cette connerie. Résistance, ah, résistance, rien du tout. Ah, voilà, non, voilà la maison. Donc, bon, ici c'est du sable. Je suis très fier de ma petite salle des coffres là. J'en suis très fier. Hein. Je tiens à le dire. Bon, là, la cobble, c'est le délire. Hein. C'est le délire complet. Le gravier, le gravier. On va mettre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on va mettre la terre et le gravier ensemble. C'est une bonne idée, ça. Voilà, parce que le gravier et la terre, c'est pas vraiment des ressources qu'on amasse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre sur cette map. Il y a beaucoup de sable, donc. Par contre, le sable, voilà, on va lui faire les deux coffres là. Qui lui seront destinés. Ah, il y a de la cobble partout là. Faudrait l'enlever là. Et la mettre au-dessus là. Pour qu'il y ait quand même une logique. Dans le truc quoi. Que ça se suive. D'accord, on en a plein. C'est bien gentil. Mais quand même. Alors voilà. Alors là, j'ai fait fort. Hein. Niveau cobble. Alors on va aller nourrir les animaux. Alors qu'est-ce que. Je me souviens plus de rien. Vous voyez, je suis complètement amnésique. Un œuf. Un œuf, ça va là. Ça va là, ici. Voilà. Parfait. Donc où en étais-je? Oui, oh, il faut que je reprenne mon histoire. J'arrête pas de la couper, mon histoire. Donc oui, ma maison était en sable. Pourquoi? Quand j'ai débuté Minecraft, parce que je. En fait, ma première rencontre avec les monstres, c'est un peu compliqué. Je m'étais construit donc une maison en bois au début, en planches. J'avais réussi tant bien que mal à faire des planches. Je ne savais pas qu'on pouvait crafter des outils. Ça, c'était niette, niette, niette. Je n'en savais absolument rien. Attendez, les ressources des monstres, on va les mettre ici.
Pardonnez-moi pour cette légère ellipse, donc j'étais allé manger un petit morceau. Voilà, alors où en étions-nous? Oui, c'est coffre, c'est très très bien. Hein. Va falloir qu'on mette, voilà, quelques pancartes et ça sera parfait. Alors là, cobble, donc là, cobble, cobblestone, stone. Oui, excusez-moi, pardon. Oh, non, excusez-moi, c'est pas joli. Pardonnez-moi. Cobblestone aussi. Pardonnez-moi encore pour ces coupures. Je sens que vous ne saurez jamais la fin de mon histoire. Donc au début, je ne savais pas faire d'outils. Je ne savais pas faire d'outils et... En plus, je ne connaissais pas l'existence des monstres. Donc tout d'un coup, je me promène dehors. Je me promène dehors, donc je sors de ma maison. Il y avait du sable, je me souviens. Alors là, on va mettre... Il y avait du sable et... comment ça s'appelle? Et de l'eau, voilà, j'étais une sorte d'oasis. Et tout d'un coup, je vois un petit homme vert, donc je viens vers lui. Et là, pouf, il me pète à la gueule, c'était un creeper. J'avais jamais compris ça. Je savais pas... Enfin, voilà... Je ne savais pas. Je ne savais pas et quand j'ai cette rencontre a été assez brutale. Parce que je ne sais plus si le premier mob que j'ai rencontré c'était un creeper ou alors c'était un squelette qui tirait des flèches. J'entendais et je me demandais d'où ça venait et tout d'un coup je voyais des flèches en feu là et ça m'avait inquiété. Ou peut-être c'était un zombie que j'avais rencontré en premier. J'étais allé vers lui, il m'avait tapé et là j'avais tout de suite compris qu'il était pas gentil du tout. Je ne sais plus à vrai dire. Mais en tout cas ma rencontre avec le creeper ça a été un peu explosif parce que c'était mon premier jeu vidéo quoi. J'y connaissais rien. Et j'ai commencé ça maintenant que j'ai 14 ans, compter un peu en 2011. C'est tard quand même hein, pour il y a des gens qui s'y sont mis beaucoup plus tôt. Je ne connaissais pas, avant je jouais à la Nintendo DS, peut-être à la Wii aussi je crois, je ne sais plus. Mais vraiment le reste, niette. L'ordinateur, moi pour moi c'était le traitement de texte, les mails et puis voilà quoi. Ah oui, là c'est les coffres plus généraux. La redstone c'est abusif, hein, tout ce que j'ai trouvé. Il va falloir qu'on fasse un peu de... Ouais, en bas c'est les réserves. C'est les réserves. On va se faire un casque en... Tiens, on va se faire un truc marrant. On va rigoler. Ah, mon enclume, elle est presque cassée en plus. Alors, on va se faire un casque. Qui soit assez joli. Et on va le colorier en bleu. Impeccable, hein? On peut l'enchanter ou pas? Notre petit casque. Allez hop, va pour un enchantement. Dyed. Protection 2, c'est pas mal ça. Protection 1, protection. Blast protection. Super. Bon alors là, je comprends toujours pas, il y a des monstres chez moi, bon c'est pas grave. Bon il y a mon épée trop abusive, là je l'adore. Je l'adore mon épée à la noix. Mon épée de cheaté. Donc. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Parce que c'est assez joli comme endroit ici. C'est assez sympa quand même. Ah non, c'est de l'autre côté que c'est le plus joli. Avec notre chambre, là, cette maison qui est très très bizarre. Il y a même pas... on n'a même pas fait de fenêtre. J'ai même pas pensé à ça. Attends, on devrait quand même faire des... Quand même faire des fenêtres, parce que c'est... Ça va pas du tout, ça. Hein. Allez, là, on peut pas. Ah d'accord, je vois. Je vois un peu le truc. Alors là, attendez, on va juste remettre ce qu'on a cassé. Je viens de comprendre, ouais, on peut mettre un peu de verre par endroit. Mais c'est assez... Alors attendez, minerai, là qu'est-ce qu'on a? Voilà, un peu de verre, on va en mettre du comme ça parce que l'autre ça va pas être beau. Ouais, cette maison est vraiment... c'est une nullité quand même, hein. C'est un peu bizarre. Peut-être pas une nullité, mais c'est quand même un peu spécial. Faut quand même l'avouer que ma maison, là, c'est un petit peu... C'est un petit peu bizarre. Comme dirait l'autre.
Cette maison n'est pas de fabrique très de bonne qualité, hein. Il faudrait aménager pour trouver quelque chose de plus condamnable. Il faudrait qu'on fasse une petite. Il faudrait qu'on fasse un petit pont là qui traverserait une passerelle. Pas une passerelle belge, mais. Parce que je ne sais pas imiter du tout l'accent belge, hein, vous l'aurez remarqué. Donc, oui, bon, on a mis un petit peu de verre par endroit, là c'est bien. Là, on va essayer de faire un truc assez symétrique. Voilà, impeccable. Donc, si vous entendez hurler Charles à table, c'est normal. Parce que je suis allé grignoter quelques gâteaux apéritifs, mais je n'ai pas encore mangé. Donc, dès lors, je ferai une petite ellipse. Bon, c'est quand la nuit là? C'est un petit peu ennuyeux là, je trouve. En fait, ma maison elle est trop grande. Elle est trop grande pour moi en fait. Elle sert à rien. C'est beaucoup trop grand. Ça manque de. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire des canapés. Tiens, on va se lancer dans la décoration. Bon, là, c'est la cuisine. Là, c'est la cuisine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite séparation sympathique à cet endroit-là. Donc, quand je dis séparation sympathique, c'est pas comme ça. C'est comment? Alors! Mince! Mince alors. On n'est pas pile, c'est pas grave. Oh là là, le charbon, c'est abusif tout le charbon que j'ai. Alors, mes fours. Comment ils sont mes fours? Ah! Ah! Alors là, on va faire ça. Prendre du charbon. Alors attendez, je crois qu'on m'appelle. Voilà. Bon, là, normalement, il devait y avoir un trou. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je veux. Qu'est-ce que je veux là? Il faut que je me concentre un petit peu. Parce que je vous parle et je ne me concentre pas. Donc c'est bien gentil là, mais quand même. Ça devient un peu casse-bonbon. Minerai. Voilà. Lapis-lazuli, c'est ici. Putain, j'en ai des masses, hein. C'est l'horreur. Du diamant, c'est complètement cheaté à souhait là. Il aurait pas dû me remplir autant l'ami à qui j'avais demandé de faire la planque là. Alors, on va se faire un petit portillon. Ça va être sympa. Un portillon dans une maison. Ça, c'est des idées. Ça, c'est mes idées à la con, hein, mais c'est pas grave. Voilà. C'est super, non? Enfin, c'est pas d'un grand esthétisme, mais bon, on s'en contente. Hein. Alors, attendez, si je faisais ça. Non, bon, c'est pas beau, c'est pas grave, on s'en fout, on laisse comme ça. Alors là, je propose de faire. Il nous faudrait des pistons. Qui dit piston, qui dit slim. Ah non, pas. Non, pas forcément. Pas forcément slim. Mais qui dit redstone, fer. Des planches, j'en ai, et de la cobblestone. Voilà, donc si je me souviens bien, le craft se. Fait de la sorte. Je me souviens plus du tout comment. Je ne sais plus. Non, c'est top. Voilà. C'est comme ça. Alors attendez, on va en mettre une deuxième couche. On va essayer de se faire une petite rangée de petites. On va se faire une sorte de bar, un petit tap sympa pour manger. Faudra qu'on se fasse un gâteau aussi. C'est bien les gâteaux, c'est bon. Alors. Donc le reste. Voilà. Pouic. Pouic pouic pouic. Donc ici Que faire. Je dirais que ici qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je réfléchis. Avec quoi on peut décorer une maison? Bah là on a qu'à mettre un petit des plans de travail en fait. Ouais, des plans de travail ici. On va mettre des plans de travail là, déjà. Première chose, des plans de travail. Et là, je. Enfin. Ça laisse un peu à désirer ce que j'ai fait.
Non, en fait, je crois que ça me va pas. Ouais, non, ça me va pas. Plus, on n'a pas de salle de bain. Il nous faudrait une salle de bain. Il nous faudrait une salle de bain. On va se faire tout ça. Je pense que là, en fait, la section entre la cuisine et le reste, on pourrait faire ça ici, moi, je pense. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Est-ce que ça serait pas un peu trop petit? Bon, attendez, on va essayer. Écoutez, on ne risque rien de toute façon. On ne perd rien. Voilà, on va faire ça comme un porc. Est-ce qu'on va être symétrique là par contre? Il nous faudrait encore un peu de bois. On va arriver à 19 minutes là. On coupera bientôt, hein. Alors, ah non, merde, ça tombe mal. Ah ouais, parce qu'il y a ça là. Ça nous ennuie, ça. Ouais, ça c'est chiant, ça. Charles réfléchit, Gaston. Gaston réfléchit là. Oh! Faut se reprendre. Je vois vraiment pas. Je vois pas de solution là. Comment faire? Ah bah tant si. J'ai une solution, une bonne solution. Donc là, on n'a pas ce qu'il faut, évidemment. Voilà, c'est ça la solution. Je n'y avais pas pensé plus tôt. Voilà. Parce que ça, c'est immonde ce que j'ai fait là. C'est pas du tout dans l'esthétisme. Donc ce qu'on va faire, encore mieux, voilà, on va poser un bloc comme ça. Alors, on va faire ça comme ça. C'est pas mal. C'est pas hyper beau, mais c'est pas mal. Enfin voilà, c'est tenable. Pourquoi on a fait... C'est moche d'avoir fait ça. Fourmineret. Non, mais ça c'est une connerie ça. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est idiot. Ouais, des fois je fais des choses idiotes. Bon. Donc je vais aller manger. Parce qu'on m'appelle. Le devoir m'appelle, les amis. On revient. Donc après cette courte ellipse pour vous et cette longue ellipse pour moi parce que j'étais allé manger. Donc attendez, je bois une petite gorgée. Donc après cette petite ellipse, pardonnez-moi pour les bruits quand je bois ma petite boisson chaude. Donc mon petit thé. Où en étais-je? Donc oui, après donc cette courte ellipse pour vous, on va terminer de faire un peu de rangement. Là je mets des pancartes comme il faut pas, mais c'est pas grave. Là on a vraiment pas la place de les mettre comme là-haut. On va parce que là je suis resté en fait, j'ai laissé le jeu tourner. Attends, comme on va aller se fight un peu hein, pour la fin de l'épisode. Là on est à 22 minutes 05 environ. Enfin pour mon chronomètre, il y a un léger décalage normalement avec Bon là normalement c'est la guerre, hein. Il faut le dire. Voilà, guerre. Avec mon épée de cheaté là, j'espère que j'arriverai à la réparer. À mon avis, j'arriverai pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Le Knotback là, c'est du délire. Hein. Je les envoie valdinguer. Mais c'est bien, je gagne plein de trucs. Là, grâce au looting, j'ai looting, je sais pas combien là. Looting 10, mon dieu. Oh, un peu de respect là. Oh. Voilà. Je trouve qu'ils sont irrespectueux, ces squelettes. Ces monstres. On va aller chercher les petits points d'XP là, parce que c'est important. Pourquoi il y a un trou là? Ah mince. Oh! J'ai eu chaud. Pas de creeper. Je vais rentrer chez moi parce que là apparemment j'ai pas. Ouais j'ai. Ah ouais, tout a fini de pousser le temps que j'ai mangé. Voilà, c'est cool ça. Ouais, on est à 23 minutes 43 là, c'est pas sérieux ça. C'est trop long. Donc moi je vous propose là que je rentre. Mais alors, à la
vitesse de l'éclair là chez moi pour manger. Et qu'on se retrouve dans le prochain épisode. Une prochaine fois, parce que là j'ai des trucs à faire. Peut-être que je vais tourner une partie du prochain épisode maintenant, je sais pas, ça dépendra de mes humeurs. Alors, on va attendre de régénérer un petit peu. Et sur ce, sur la vue de ce squelette maléfique, nous allons nous retrouver dans le prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi, à plus tard. Elle est où ma cape? Pourquoi il n'y a pas ma cape? Normalement j'ai une cape. Il y a un bug là. Normalement j'ai une cape. Show cape normalement. Bon, je sais pas pourquoi. Allez, à plus tard.